déjà ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne parce qu'on ne sait pas où ce produit-là est fabriqué d'abord. On a eu des poupées que ce produit-là tue des gens, ça réduit la vie, il y a des choses et tout ça. Déjà ça n'arrange personne pour commencer. Et pour dire déjà que le gouvernement n'aime pas son peuple. Le gouvernement n'aime pas les Gabonais, ils ne nous aiment pas. Ils nous prennent pour des cobayes parce que quelque chose qui est dangereux pour la santé, mais ils nous obligent, ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais on te demande de te vacciner et on te dit, tu dois faire la décharge, donc tu dois décharger sur le document que en cas de risque et péril, ils ne sont pas responsables. Mais on te prive encore de dire que si tu n'as pas le vaccin, tu n'as pas accès à la boîte de nuit, tu n'as pas accès à circuler, tu n'as pas accès au boutiquier, tu n'as pas accès au grand magasin, mais ça veut dire qu'ils nous imposent, alors c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. Alors, donc c'est un gouvernement qui n'aime pas son pays, qui n'aime pas son peuple. Ne soyons pas, nous ne sommes pas des cobayes. Déjà, quand ils nous disent qu'à partir du 15, ceux qui n'auront pas le vaccin vont aller de 20 000 à 50 000. Mais attends, c'est devenu quoi? Du commerce? Ils se font des sous sur nous et après 2-3 ans, nous allons mourir. Les Gabonais doivent se réveiller. Réveillez-vous! Le Gabonais doit être en bonne santé, le Gabonais doit être soit vacciné et puis en plus, la maladie, c'est contagieuse. La maladie, c'est une épidémie. Et ensuite, il faut qu'on soit à bonne santé, que le président de la République a bien dit de vacciner toute personne, ne voulant pas tellement des maladies qui s'envahissent avec la population. Et finalement c'est bien normal que le président de la République prenne conscience de vaccination. Et en plus, je suis très content du président de la République parce que c'est la santé de nous tous. C'est la famille que nous voulons qu'on soit bien portant. Ceux qui sont pas encore vaccinés doivent normalement être vaccinés parce que les maladies contagieuses, c'est l'épidémie. Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Parce que déjà, moi, mon ressentiment avec ces mesures qu'ils ont prises là, sincèrement, ça ne m'arrange pas. Moi, déjà, je ne suis pas pour le vaccin, ni encore le PCR. Alors, nous parlons là, je n'ai rien fait de tout ça. Et je ne crois pas que je le ferai. Ça, je peux vous l'assurer. Les mesures qu'ils ont prises là, ça les arrange eux. Ça ne nous arrange pas, nous, les Gabonais. Et vous allez continuer à vous déplacer? Je vais continuer à me déplacer dans le cas contraire. S'ils me demandent, comment dire ça, le test PCR ou le vaccin, je leur répondais simplement que je n'ai pas envie de le faire, c'est tout. Maintenant, ils prendront les décisions qu'ils vont prendre et puis on va voir comment ça va se passer.